Demande à Cyril. Il faut un marteau des coups pour accrocher mes calicots. Ouais, mais ben, tu vas trouver. Ça va ? Salut. Des bisous. Salut. Hi guys. C'est comme ça.
Le plaisir pour un artiste de BD qui se pose même pas la question de savoir pourquoi il fait ça,
de participer à une exposition. Mais pourquoi, mon Dieu? Franchement, quoi. Pourquoi ces planches d'un seul coup, il y en a sur les murs? Il y a zéro question. Et là, c'est le spectacle de soi. C'est un vrai problème. On n'arrête pas de se dire, et on n'a pas tant, qu'il y a une certaine modestie qui serait inhérente à la pratique de la bande dessinée. Et de fait, il y a plein de choses qui sont très modestes dans notre discipline. Réellement. Et notamment, il y a une modestie matériologique. Il y a une modestie qui est liée à la nature de la planche humaine. La nature d'une planche qui est de ne rien valoir du tout. Une planche, elle est faite pour être imprimée. Tout ce qui se passe dessus, et là on arrive au troisième spectacle, c'est le spectacle de l'artisanat. L'artisanat, on aime bien voir comment c'est fait la popole, on aime bien voir les petits traits de crayon, les coups de gomme et toutes ces foutaises. Mais ces choses-là, qui sont déterminantes sur un tableau de Saïd-Bombly, parce qu'un Saïd-Bombly c'est fait pour qu'on s'y plonge dedans, pour qu'on s'abandonne dans son tableau. Dans une BD, c'est destiné à disparaître et à être imprimé. Et il y a le quatrième spectacle. C'est la tête à l'œil. C'est ce qu'on appelle la scénographie de la bande dessinée. Le pompon. La scénographie, c'est le musée de la bande dessinée d'Angoulême. Quand on ne sait pas comment il faut lire la bande dessinée, vous ne dites rien, ni à l'expo, ni à la bande dessinée. Ah bon, on vous agrandir des trucs pour que ce soit bon an, mal an, une bonne taille à spectacle du mur. Et puis, comme il y a des bonhommes dedans, bon, on va en faire un carton. Et puis, comme il y a des bouts de décor, on va les déplier. C'est-à-dire, ce qu'est une bande, qu'elle produit comme question narrative, structurelle. On s'en cogne, on fait d'un seul coup, comme si c'était un problème d'image. Ça n'a aucun sens. Une bande dessinée, ce n'est pas des petites images juxtaposées. Leur rapport, il est relationnel. Ce sont des opérateurs de fonctionnement, de connaissances et de prospection, politique, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Quoi. Il y a un moment, qu'on s'arrête pour respirer, réfléchir un bon coup, dire ah, est-ce qu'on continue à exposer des bandes dessinées ou pas? Déjà, ça serait bien qu'à un moment, vraiment, on se dit, bon, peut-être on va arrêter les conneries, on va arrêter, on n'a rien à foutre finalement d'être dans des salons bourgeois, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et deux, si on répond quand même oui, si on dit, ouais, on va l'exposer parce que c'est cool de faire des expos, alors mettons-nous à la hauteur des questions que ça pose. Allons voir les expositions d'art contemporain, voyons comment des artistes contemporains se posent ces questions. Comment ils y répondent, comment ils déplient l'espace, comment ils le pètent, comment ils louent, comment ils font bouger les corps dedans. Parce que ça doit devenir en question. On doit produire des récits pour les corps. On doit faire en sorte que celui qui rentre dans la pièce devienne la matière même de ce récit pour les corps. Et là, il se passera vraiment quelque chose. Tu vas couper ça au montage. Ouais.